je suis né le 11 décembre 1941, bien entendu à Saillon, dans le quartier de qui à l'époque s'appelait encore Vers-le-Cey. Et tout au début, bon, je faisais mes écoles à Saillon. Ensuite, dans ma jeunesse, j'ai travaillé au domaine de la Sarva plusieurs années avant de faire mon école de rue. Et puis après, j'ai passé quelques années à la commune de Saillon où j'ai pas mal d'anecdotes à raconter. Ouais. J'ai perdu mon père, j'avais 3 ans et demi. Lui avait 47 ans, c'est le plus vieux de la famille des Durs qui a vécu. Et forcément, à l'époque, on n'était pas bien lotis, mais bon, c'était aussi le sort de pas mal de monde, quoi. À l'époque, de ceux qui n'étaient pas vraiment aidés, parce que le social, ben, ça n'existait pas comme maintenant, au contraire. Il y avait ceux qui s'occupaient, si vous aviez des terrains, de vous suivre à la trace pour vous... Alors, sur le plan politique, moi, j'ai jamais eu de ligne ou d'agressivité. J'ai pas connu la politique sous cet angle-là parce que les femmes votaient pas. Ma sœur avait 13 ans de plus que moi. Elle a pas voté jusque, je crois que c'est autour de 1972. Je veux pas dire de bêtises, à peu près par autour, ça a été obligatoire. Ça veut dire que politiquement, on n'existait pas au village. Personne n'avait besoin de nous, personne donnait un coup de main. On était déjà contents quand on ne donnait pas des coups de pied, quoi. Et puis, ben, on a fait notre parcours là, un peu difficilement, on n'a pas toujours rigolé. On a été à côté, on est à côté du magasin de la boulangerie à Charles-Guay. Charles-Guay qui était... d'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de coups de main. Comme souvent les gens qui avaient des commerces au village, parce qu'on vivait essentiellement des récoltes de haricots, un peu de fraises, 2-3 asperges. Mais le besoin de liquidité était flagrant, puis il n'y en avait pas. Donc très souvent, avec les récoltes, les peu de récoltes qu'on avait, on anticipait la récolte qui n'était pas encore prête, en allant chercher des avances sur la récolte. Et je me rappelle, on allait chez... Nous, on a toujours vendu des fruits à Prosper Thomas de Saxon, c'est Maxime Berthelet, ce milieu du village qui avait là. Des fois, on allait en haut demander une avance de 50 francs dans le mois quand on avait quelque chose à payer. Mais le problème, c'était pas ça, c'était que des fois, la récolte, elle gelait entre temps, ben, qu'il y avait une maladie, puis après, on n'avait pas de récolte. Alors, chaque année, fallait mettre les billes à poids, les billes à plat, regarder, et puis bon. Après, certaines années, boucle à zéro, on était déjà content. On parle même pas de payer ce qu'on devait, d'amortir. Ça, c'était... Mais on était déjà content de tirer à plat. Puis si on ne tirait pas à plat, chaque fois, les commerçants qui étaient tous de bonne facture, je peux parler de Herman Thur, de Charles, avant, après... Herman Thur, et puis au magasin de la place, Raphaël et Angèle Roduit. Mais tu devais quand même créer un billet pour dire, voilà, l'année prochaine, on se rattrape. C'est comme ça que ma soeur, à l'âge de 13 ans, elle a commencé à travailler au domaine de la Sarva. L'été, pendant la période scolaire, puisqu'on allait à l'école du 1er novembre au 15 mai, pour toute la récolte de fruits, elle allait travailler. Après, mon frangin avait 3 ans de moins, 10 ans de plus que moi. Lui, il a suivi le même cheminement. Et puis quand moi je suis arrivé, ben, il fallait de nouveau amener quelque chose à maman. Ben, on a... Je lui ai rapporté le dîner à pied depuis Saillon dans la hotte, dîner chaud que maman faisait. J'allais jusqu'au rideau abri, eux montaient un petit bout. Dîner là, moi je reprenais la hotte et puis je rentrais à la maison. Hein. C'est à la maison avec ça. Et je me rappelle, il touchait une paye dans un... On appelait la buste. Eux ont connu ça, moi j'ai connu ça aussi. La buste, ça vient de l'italien, busta, c'est-à-dire une enveloppe dans laquelle tu mettais l'argent. Mais ma frangine, jusqu'alors je ne sais pas combien, porté sa vie durant. Mon frangin, idem. Moi, idem, jusqu'à 24 ans, on a porté chaque fois. Buste fermé à notre maman. On a eu le fait que ma frangine a eu un enfant, comme on disait à l'époque,
illégitime. Ben, elle avait juste 18 ans, une année après que papa soit mort. Non, c'était pas évident comme perception, puis comme situation. Parce que là, il y avait la condamnation, il y avait, comment il faudrait dire, la mise de côté sociale. Et puis il y avait le... Surtout ceux de qui on aurait attendu un peu de compensation, etc., qui avaient plutôt tendance à écraser les fautifs que de donner un coup de main. Ça, c'est peut-être la perception la plus négative que j'avais. Mais pour revenir au paye, donc ces payes venaient là, maman, elle regardait qu'est-ce qu'elle avait à payer, qu'est-ce qu'on lui fait. Puis on disait, ah, ce soir, de paye, on allait parfois chercher 100 grammes de salami chez Herman à côté. Parce que, et puis on savourait le pain complet, que du pain et des tranches de salami, comme si c'était... Alors après, je parle pas des boîtes de pilchards, hein. Boîtes de pilchards, j'ai entendu tant de... Moi, j'ai toujours cru que les boîtes de pilchards, c'était une sorte de poisson sardine en boîte. Ça, c'était pour les grands jours. Mais c'est dernièrement que j'ai vu en feuillant sur Internet qu'en fait, pilchard, c'était pas une marque. C'est des poissons qui s'appellent pilchard et qui étaient dans une boîte ovale comme ceci. Boîte ovale. Et ça, c'était une des dégustations. Moi, j'ai vu arriver les premiers harengs secs chez Herman dans la caisse à côté de chez moi. Alors, moi, j'aimais pas trop le hareng sec salé. Ma frangine et mon frangin, ils appréciaient à fond. Certaines fois, ils bouffaient la queue et la tête. On bouffait tout du hareng. Parce que, voilà, c'était comme ça. Vis-à-vis de maman, ce serait pas juste de dire qu'on a eu faim. C'est pas juste. Elle s'est toujours débrouillée, elle a toujours pu. Mais... On n'a pas toujours mangé ce qu'on voulait. Ça, c'est... Voilà, c'est un autre... Et j'ai toujours une anecdote qui est intéressante. Comment tu perçois, donc? T'as le four, à côté de toi, à côté de ta maison. Tu as l'odeur. Hein, ça, c'est... Et puis t'as la chaleur. Alors, le four à Charles, ça a commencé avec le four à Charles. Puis après, Herman, puis le fils d'Herman a fait l'apprentissage boulanger, puis Héritur, sa copelle habite à côté. Pour récupérer, alors, de temps en temps, tu avais les odeurs qui montaient du four, des cuisines, du créneau gourmand actuel. Hein. Si une fois tu pouvais acheter un petit pain, ben donne un petit pain, c'était le top. Hein. Et puis, la chaleur. Le four marchait au mazout, le four actuel, avec une gueule, là. Alors, Charles Gay, il acceptait que moi je descende, moi je regardais comment il travaillait, comment il faisait le pain, puis après il foutait le four, là. Seulement ce four, la chaleur, elle montait dans une cheminée en face de ma porte d'entrée, c'est toujours le cas maintenant. On était tellement mal habillés qu'on avait les mains et les pieds avec des engelures. Les jeunes, maintenant, il n'y a plus personne qui sait ce que c'est des engelures. Nous, avec les habits qu'on avait faits, c'est les pieds qui, au vis-à-vis du froid, ils gonflent, ils viennent violets, mais on avait quasiment tout l'hiver des engelures aux mains et aux pieds. C'était pas seulement nous, et plusieurs enfants dans le village. Eh bien, quand je sortais de chez moi, ben, quand je rentrais, ben, quand j'allais lucher, je m'arrêtais face au mur. Parce que le mur était chaud. Où c'est qu'il y avait le canal de la cheminée qui monte, qui est toujours là. Et moi, j'arrivais là, je me réchauffais les mains. D'accord. Ça m'a même eu arrivé d'enlever les socs, mettre les socs là, parce qu'il était plus chaud que chez nous. Une période quand même difficile, en tout cas, ma frangine et mon frangin un peu plus, puis ma maman. Mais elle a toujours eu une ligne de conduite, et puis surtout, pour moi, ça a été une richesse, c'est que elle a toujours manié l'humour. Elle avait toujours des phrases, je dirais toutes faites. Hein. Nous, elle nous a inculqué, ma frangine me disait encore avant qu'elle décède, garder une porc pour la soif.
faut toujours garder le poivre pour la soif. Puis l'autre, il faut jamais, il faudra jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Et puis ça, c'est des préceptes qui me sont ancrés à la tête, puis que j'ai toujours appliqués. Et ma maman, elles étaient trois filles, c'est une Jufré de Chipis. Sa mère décède. Elle a 12-13 ans. Grand-père se remarie, la deuxième femme dit, oui, moi je suis d'accord, on va marier, mais si j'ai pas les... C'est plus facile si j'ai pas les trois filles qui étaient avant. Alors, bon, la première, elle est adulte, elle se débrouille pas mal. La deuxième, elle a, je pense, autour des 17 ans. Puis maman, elle a 13 ans. Maman, elle part en place à Douven, dans un restaurant. Et elle m'a toujours dit, à Douven, tu avais le Tonkin hein, qui faisait Saint-Gingolph, puis le Valais, Saint-Gingolph, Genève. Elle était dans le restaurant, elle m'a dit chaque fois que le Tonkin il partait en direction de la maison, elle pleurait. Elle pleurait. Et après, elle est restée là-bas, je ne sais pas, 3 ou 4 ans. Et puis, elle a été engagée à Saillon chez Nestor Roduit, le papa de Berthe, comme on disait Saint-Ventin. À l'époque, c'était une servante. Puis à 19 ans, elle a marié papa à Saillon. C'est comme ça qu'elle est installée à Saillon. Et quand elle est décédée, par mémoire pour elle, j'ai pris mon frangin, ma frangine, parce que j'avais trouvé dans ses affaires il faisait beaucoup avant des paysages, des photos de lieux collées sur des morceaux de bois, avec l'écorce, c'était joli. Je revois le machin. Alors maintenant, on va là-bas et j'essaye de retrouver ça. Il y a une partie là-bas. Puis d'un moment, j'entre vers le cœur de Douven, je vois un reste de maison. J'ai dit c'est ceci, et je suis entré là à l'intérieur. Puis j'ai dit à la personne qui était. Ouais, un peu la même âge que moi, puis il a dit, voilà, est-ce que dans votre ça a toujours été vous qui avez dit, oui, c'est mon père. Malheureusement, il est rentré en foyer, là. Puis j'ai dit, vous n'aurez pas entendu parler de votre vie, dans votre famille, à telle époque, d'avoir eu quelqu'un qui m'a dit, oui, je me souviens. Il a dit, j'en parlerai à mon père, et puis, bon, le père, il avait encore pratiquement toute sa tête. Puis il m'a dit, oui, je me souviens très bien de cette fille qui est venue de suite. Et puis, moi, j'étais soulagé de savoir que c'était là que maman avait été. Bon, après, ils ont... c'était une des activités, justement, de l'employé communal à son temps. Alors, j'ai quand même fait 3 vendanges, celle du 62, 63, 64. En fait, c'était pas les vendanges, c'était la récolte des vendanges pour le curé, parce que le curé Follonnier faisait lui-même son vin de messe. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il était toujours bon, enfin, on le reconnaissait. Et puis, Il vendangeait, la vendange devait être amenée, bien entendu, à la cure, qu'on apportait à moi avec les caconnettes. Ça, c'était l'employé communal qui donnait un coup de main au curé pour faire ça. Mais alors, c'était la nuit qui était pénible, parce que quand on amenait la vendange, après, il y avait à droite en entrant dans la cure, la cave avec le pressoir. Et puis moi, je devais trouver toujours un compagnon pour presser le vin du curé durant toute la nuit. Et puis la dernière fois, j'ai un souvenir extraordinaire parce que j'avais pris Charlie Thur, qui avait le même âge que moi, en 1941, pour être deux pour faire boulot. Et puis là, on a commencé, on était engagés, on était décidés à, si ce n'est renverser le monde, en tout cas, écraser le vin dans les formes. Et puis on a bossé effectivement, on a commencé à 8h le soir, et puis jusque vers les 10h. Puis à partir des 10h, curé Maurice Follonnier venait nous rendre visite à tout moment. On a commencé par des cornichons, après des saucisses. Et puis après, ben, il fallait quand même boire, parce que c'était dur. Hein. Mais la nuit a été assez tumultueuse. On a fini le matin,
Alors, je ne sais pas si Louis était vraiment bien pressé, mais en tout cas, nous, on était lessivés. Hein. Et Maurice Follonier allait tous les mercredis après-midi à Sion jouer aux cartes avec une tablée d'amis et de connaissances. Et puis, bon, à l'époque, les moyens de communication, il n'y avait pas grand-chose depuis Saillon, mais il prenait quand même la poste pour monter, pour être en haut à midi. Et puis, bon, il jouait aux cartes tout l'après-midi. C'était un joueur de cartes invétéré. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu des réclamations à la cure de Saillon parce qu'il rentrait trop tôt le matin avant la messe. Et puis, que, c'est une anecdote, moi, je n'ai pas vérifié, mais on dit qu'il a été convoqué devant l'évêque. Et puis, l'évêque a dit, mais écoutez... Ce curé, ça va pas, il semble qu'il y a des fidèles qui se plaignent que vous rentrez trop tard, juste avant la messe du matin, et on parle même que vous rentrez autour des 3 heures du matin, et puis que le curé Follonier aurait dit à l'évêque, ça c'est pas vrai, monseigneur. Et puis l'évêque était un peu choqué, d'après les informations qu'il avait, il a dit, oui, mais comment c'est pas vrai? Et puis le curé Follonier lui aurait dit, non. C'est pas vrai, 3 heures du matin, parce que moi, quand je joue au camp, je joue jusqu'à 6 heures du matin. Et alors, ça, c'était une des anecdotes, mais en réalité, quand il allait jouer le mercredi après-midi, il utilisait toujours pour rentrer la voiture d'un de mes amis de Saillon, Jean-Claude Jouris, qui est toujours vivant maintenant, qui est de 1941, et il descendait. Alors, il descendait, il passait à la grenette, il prenait un fromage sur le bras, avec sa soutane mémorable, et depuis Sion, il faisait au moins une dizaine de bistrots, je pense, avant d'arriver à Saillon au Café de la Tour. Avant qu'ils arrivent au Saillon au Café de la Tour. Et puis, alors très souvent, mon copain me disait, ouais, tu viens le soir à telle heure, là, puis je viens pour boire un verre. Et puis, il arrivait avec le curé Maurice Follonier. Alors, c'était vraiment de la franche rigolade, parce qu'il avait une répartie au-dessus du lot. Lorsque j'étais justement... Quand je suis devenu employé communal, en fait, j'ai remplacé Charlie Terretta, qui avait été le premier employé communal à plein temps. Et puis lui, pendant un mois, il a dû travailler avec moi quand même pour me mettre au courant. Il y avait un certain nombre de choses à faire. Et on était là-haut devant l'église, il était en train de me donner des instructions pour le travail autour de l'église, puisque avant il y avait encore l'ancien cimetière à entretenir, etc. Puis tout à coup, le curé Follonier est sorti. Puis il est venu vers nous. Bon, il connaissait bien Charlie, qui me connaissait bien moi aussi. Puis il a dit, il a regardé le monument à Maurice Barman, il a dit, ça c'est des monuments qu'il faut liquider, les monuments. Et puis, Charlie était un peu surpris, on a écouté ce qu'il disait, puis on a dit, ouais, mais écoutez, alors ça, il faut s'arranger avec le président. Nous, on est employés, on fait ce qu'il y a à faire, quoi. Et puis, quand il a... Le curé Follonier, il commençait à monter un peu les tours. Il était, comme on dit chez nous à Saillon, un mot assez particulier, aïné. Aïné pour dire il était pas content, il y avait quelque chose qui le contrariait. Et puis, quand il est en train de discuter avec nous, il y a Herman Mabillard, un autre personnage extraordinaire de Saillon, qui était d'ailleurs un ami du curé, qui était ancien directeur de l'école professionnelle du Valais. C'est lui qui a construit l'école actuelle. Et alors, Herman Mabillard arrive et s'adresse au curé, puis il dit « Qu'est-ce qui se passe, Maurice ?» Et puis Maurice lui dit « Je suis en train de discuter avec les employés là, parce que ce monument, il faut le raser. » Puis Herman lui dit « Oui, mais pourquoi ?» Alors, bien entendu, le curé a fait un argument qui était connu de tout le monde. C'était un argument que Maurice Barman, politiquement, il n'était pas dans la mouvance ecclésiastique, etc., etc. Et puis, alors, Herman a dit « Alors, écoute bien, Maurice, ce monument, il appartient à l'histoire du Valais, à l'histoire de Saillon. Tu ne touches pas, sinon, tu as affaire à moi. » Et puis, le curé Follonier a tellement été surpris qu'il a dit « Ah, oh, bon, alors ?» Retour de l'histoire, quelques années plus tard, il y avait d'autres personnes à Saillon qui étaient pour liquider ce... Et puis, une fois, il y a même eu une tentative, et c'est le curé de Saillon qui est sorti à la fenêtre de la cure, et puis qui a engueulé les gens qui étaient en action pour s'attaquer au monument, qui les a chassés.
Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a toujours le monument de Maurice Barman qui est là. Bon, maintenant, il a été rénové, mais à l'arrière, pour celui qui sait et qui connaît cette histoire, ben, il porte les traces de quand même une tentative encore maintenant, hein, de le raser. Hein. Poser les plans d'autoroute, c'était moi, j'étais à la commune, en 1963, les premiers plans du passage d'autoroute, ben, Gilbert Retenant, justement, hein, lui, il a vite déposé les plans de construction pour deux locatifs sur le tracé de l'autoroute. Il a déposé les plans de construction parce que, bon, il s'est rendu compte, il a dit, si je dépose les plans de construction pour l'autoroute, ils vont payer beaucoup plus parce que le terrain, il est beaucoup plus cher. Bon, mais le terrain, c'est précisément la seule partie de Saillon qui est de l'autre côté du Rhône. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'autoroute passe un kilomètre sur le territoire de la commune de Saillon, de l'autre côté. Mais bien entendu que à l'époque, les routes nationales, c'était, bon, c'est toujours la Confédération. Ils n'ont pas entré en discussion pour payer plus ces terrains là-bas. Mais Gilbert avait beaucoup de terrains là-bas. Mais c'est une jolie anecdote pour dire, voilà, le monde n'a pas trop changé hein, quand il se passe quelque chose. Alors, l'argent de blindage, ben ça, j'ai été confronté à ça. Bon, parce qu'en fait, dans mon catalogue d'activités que j'avais à la commune, c'était, je pense que c'est plus facile de dire, j'étais le fatuto. J'étais en fait, il y avait un employé communal permanent pour les questions de secrétariat et d'argent. C'était André Luisier, qui est devenu longtemps... président pendant beaucoup d'années, président de Saillon par la suite. Et puis moi, j'étais l'homme de l'extérieur. Depuis les travaux publics au cimetière, en passant par agent de police, à l'époque le bureau des étrangers, mais les ouvriers étrangers qui venaient travailler, on encaissait à la source les impôts, enfin il y avait un panel complet. Ah voilà, l'argent des vendanges. Et puis bon, ben, moi je reprends Charlie Terrette au 1er octobre, on travaille le mois d'octobre ensemble, moi, pour prendre le boulot. Et puis, trois semaines plus tard, avant les vendanges, j'ai la postière, Simone Roduit, qui me contacte, puis dit, alors, voilà, demain, il y a l'argent de la vendange qui arrive, il faudrait regarder un coup d'œil depuis Ride. Puis moi, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent de la vendange était payé entre Saillon et Létron. Je parle des caves brevets, mais presque tout le monde était aux caves brevets à l'époque. Donc l'argent de la vendange était payé pour les troncs pour la Saint-Martin et à Saillon pour la Sainte-Catherine. Et puis là, c'était la Sainte-Catherine, donc l'argent arrivait. Mais l'argent arrivait dans des sacs de courrier. Comment c'était dans les sacs de courrier, j'en sais rien, mais le sac qui arrivait à la poste à Saillon, puis les gens, ils défilaient encaisser l'argent de la vendange. Hein. Alors il me dit, oh, il fallait quand même regarder, jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce qui se passe. Puis bon, j'ai essayé une fois d'évaluer le montant qui versait, mais je peux dire que pour l'époque, c'était quelque chose d'assez conséquent, hein, de corsé. Puis moi, j'ai dit, oui, mais quoi? Il a dit, oh, mais ça fait rien. Mais alors moi, j'étais agent de police communal. À un moment donné, l'agent de police n'était pas armé, il n'avait pas d'uniforme, il n'avait rien du tout, quoi. Et puis moi, la commune n'avait pas de véhicule, rien du tout. Moi, je m'étais acheté une Vespa. Et puis j'utilisais la Vespa pour mon travail à la commune. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas d'indemnité pour les kilomètres, c'était mon outil. Et puis alors, j'étais voir le chauffeur quand il sortait les sacs du train à Ride pour mettre dans l'arrière du corps. Puis j'ai dit, mais oui, mais écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il m'a dit, pas de problème, tu suis à 50 mètres, chaque fois que je m'arrête, tu restes à 50 mètres et tu regardes ce qui se passe. C'est comme ça que j'ai accompagné l'argent de la vendange de Ride jusqu'à la poste de Saillon, qui était d'ailleurs en face de notre local du patrimoine actuel. Hein. Alors après je me disais, bon après avec le métier que j'ai fait, je me suis dit, mais on était des inconscients derrière les fagots, mais c'était une pratique, tout le monde trouvait la situation normale, Simone. En tant que buraliste postal, c'était un procédé qui était normal. Chauffeur du car, c'était normal. Et puis moi, tout à coup, j'étais parachuté dans un montant ou des sacs. Je n'ai jamais su si les sacs étaient
remplie d'argent, où s'il y avait des caissettes à l'intérieur. Mais toujours est-il, je m'en souviens que Simone, elle avait un petit guichet, et puis elle avait l'argent à côté, les gens arrivaient avec le bon, hein, de la cave, et puis elle accordait. Alors, bien entendu, l'argent arrivait le mercredi ou jeudi avant la Sainte-Catherine, et pas beaucoup de ceux qui oubliaient d'aller à la poste, hein. C'était le défilé complet. Alors, ça, c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Alfred Chezeaux, il était longtemps juge de Saillon, juge communal de Saillon, mais surtout, il était célibataire. Et puis, il était très influençable. Dès qu'il rencontrait quelqu'un qui lui disait « Alfred, tu es pâle, qu'est-ce que tu as, t'es mal foutu ?» Dans les 15 minutes qui suivaient, il était habillé, il allait mettre les habits du dimanche et il partait à Saxon chez le docteur Pasquier se faire visiter. Il était très, très influençable. Enfin, c'était une figure vraiment extraordinaire. Et puis, le cimetière, pour lui, ça représentait quand même quelque chose d'assez... Il allait avec circonspection à cet endroit, mais il voulait toujours quand même comprendre qu'est-ce qui se passait. Alors, ben, les 3 ans où j'étais à la commune, eh bien, j'avais un ouvrier qui s'appelait Georges Ducet, qui avait le même âge que moi, était censé faire les trous pour enterrer les gens au cimetière. Et puis, Georges Ducet avait un inconvénient, c'est qu'il pouvait faire un trou, mais il ne connaissait ni les mesures, ni en largeur, ni en longueur, ni en profondeur. Alors moi, je devais monter avec Georges et expliquer les trous. Et Georges, à l'époque, ça, c'était dans les tombes. Il y avait des tombes à 2 places, des tombes achetées. Alors, la première des 2 personnes, en général le couple, qui était propriétaire de la place, première personne enterrée, était enterrée 50 cm plus profond. Et puis on mettait une planche, et puis celui qui venait après, ben, quand le trou se refaisait, on restait sur la planche. On restait sur la planche pour éviter. Or, Georges, quand il creusait, dès qu'il était... alors lui, c'était pas les centimètres, mais la profondeur, quand il était dans le trou, à partir d'un moment, c'était fini. Il creusait plus, là, il n'allait pas plus loin. Alors il m'appelait, parce que moi j'avais des heures bureau aussi, puis c'était moi qui devais finir le trou. Et puis, je ne dirais pas ni le nom des personnes en question ni rien, que j'étais en train de finir le trou, ben il y a Alfred qui arrive. Mais j'avais une certaine habitude parce qu'Alfred venait toujours tourner autour des trous qui se creusaient. Et puis, ben, ça arrivait des fois que la planche, suivant le temps qu'il y avait entre le premier décès et le deuxième, que la planche était pourrie. Et puis là, on récupérait les os par respect, et puis on mettait dans un trou au fond de la fosse. Hein. Et puis un jour, Alfred, en même temps, je dis, il venait, il était frappé par la curiosité, mais il ne voulait pas trop venir près de la fosse. Alors il regardait le trou depuis le tas de terre. Donc il se penchait sur le tas de terre pour regarder qu'est-ce qu'il y avait en bas dans le trou. Et moi j'ai pris un crâne là, quand il était bien placé, puis j'ai jeté le crâne sur le tas de terre. Et il s'est retrouvé à 20 cm près, comme ça, sur avec le crâne qui s'est posé sur le tas de terre, mais pratiquement à sa hauteur. Il a crié au secours, il est parti en courant, Mamadon, ça c'est aussi quelque chose, une formule de Saillon, hein. Mon Dieu, hein. Mamadon, c'est fini. Et il est parti en courant, je ne l'ai plus revu pendant 2 ou 3 jours. Hein. Et ça l'avait marqué, à chaque fois que je le voyais, il me rappelait ça, il disait « Ah, oui !» D'ailleurs, après, par la suite, quand il a perdu sa mère, certains disaient qu'il montait le soir... au cimetière, discuter avec sa maman, puis qu'il y a quelqu'un à Saillon qui était un de ses copains, qui s'est caché derrière le monument ou la fosse, puis le soir, il discute avec la maman, il a pris la parole, et mon Alfred, alors il a mis les jambes à son cou de nouveau, puis il a déserté. Il y a eu 2 laiteries à Saillon, que je m'en souviens, hein. Alors, une était considérée par nous comme la laiterie des radicaux, hein. C'était la laiterie
amont, c'est-à-dire c'est la maison de la famille Gérard Créteil actuellement, Arthur et Gérard Créteil. Elle était là, la laiterie. Et puis après, par la suite, est venue celle qu'on a appelée la laiterie modèle. Alors ça, c'est, oui, ça, c'est le chemin des Versanes qui remonte là derrière. Et puis c'est le Pitsux, ils ont laissé un nom de rue des Remparts. Enfin, les deux laiteries étaient dans le même... là. Alors, petite précision, c'est que tout le monde, ceux qui avaient des vaches, apportaient le lait dans les laiteries. Et puis ceux qui n'avaient pas de vaches, comme ma famille, on allait les bidons chercher le lait le soir. Hein. Mais seulement pour aller dans ces laiteries, il fallait descendre la route qui était extraordinairement, qui est toujours d'ailleurs extraordinairement raide, là, celle qui va depuis la porte du four, en bas pour bifurquer vers chez Lisel Critet pour aller là. Puis là, c'était comme on lugeait, dès qu'il y avait de la neige, tout le monde lugeait. Alors ça s'en venait verglacé et tout, puis la commune, elle devait sabler. Alors ça, c'est la première image que j'ai de ces laiteries. Alors la commune allait avec un mulet et un char prendre la terre, d'ailleurs on voit encore maintenant où la terre a été prise, sur le chemin de la tour, quand vous êtes en haut vers la maison de Jacques Itur, contre le mont, on voit que la terre a été creusée là. Pour les manœuvres communales, ils allaient récupérer la terre là, ils descendaient avec un mulet, ou bien une luge, avec un char ou une luge, mais en principe c'était plutôt une sorte de luge, hein. Et puis deux ouvriers jetaient le là, et puis nous on pouvait plus luger, donc on était presque traumatisés. Et puis après, je me souviens d'avoir été une fois dans la laiterie... Alors c'était la laiterie des radicaux portée numéro 1, laiterie numéro 1, on disait. Et moi je m'en souviens d'avoir été une fois dedans avec un copain, ou une ou deux fois, j'ai l'image d'un intérieur complètement noir, comme une fromagerie d'alpage. Avec un monstre chaudron tout aussi noir, qui à mon avis était chauffé au bois, donc ça avait perduré. Et puis l'autre laiterie... couverte de cattels avec une cuve de cuivre brillante qu'on n'avait jamais vue tellement. C'était luxe, je dirais. C'était luxe. Puis il y avait de l'eau potable, les cattels par terre. Alors qu'en haut, je pense que c'était en terre battue. J'ai des peines à voir avec exactitude. Je pense qu'il y a peut-être des plus anciens saillants qui peuvent donner des informations là-dessus. Et puis, bien justement, grâce au cahier du patrimoine, en regardant un petit peu. Les carnets qu'on a eu à disposition de ces laiteries, j'ai juste survolé, puis je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas aussi sectorisé politiquement que ça. Parce que j'ai vu que les grands marchands de bétail, ou propriétaires de bétail de Saillon, plusieurs sont restés dans la laiterie numéro 1. Qu'on considérait comme la laiterie radicale, puis en fait, c'était pas du tout ça. C'est avec la laiterie modèle, ils ont transformé un système de fonctionnement qui était je vends du lait, à la fin, je récupère l'argent du lait, et puis s'il y a des frais, c'est partager les frais. Et puis la nouvelle laiterie était un système qui a été mis en place par Maurice Toyer qui était. Forme de coopérative. Et puis ça, c'est Claude Reduit, qui est toujours vivant, qui m'a mis la puce à l'oreille quand il m'a donné le nom d'une ou deux familles que j'avais retrouvées qui étaient dans la laiterie du Haut. En fait, toute une partie, quand la nouvelle laiterie s'est construite, ils n'ont pas voulu aller parce que les méthodes de paiement, de retour sur les apports de lait étaient mis en communauté puis réinvestis. Voilà, c'est un peu ça. Mais on retrouve aussi des familles radicales assez puissantes qui étaient dans la nouvelle laiterie. Donc ça veut dire que c'est pas aussi simple que ça. Il y avait un cheval et puis un triangle. Tout simplement un triangle fait de bois. Et puis le cheval tiré avec la même attelle qu'un char, tiré ce triangle et puis passé par les chemins, monte au village, partout. La neige était poussée de chaque côté. Et ce triangle-là était, la commune avait un dépôt au Moy, près du café de la Tour. Le triangle-là en était fixé contre et était toujours à disposition. Ça, j'ai l'image. Puis après, progressivement, ben, sont arrivées les machines. Et puis à Saillon, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué par la configuration, mais surtout,
La route qui monte au village en venant de l'Étron, la salle de Vessier, passe au village et sort à la porte du C. Toujours été comment est-ce qu'on appelle, une route cantonale. Et puis logiquement, ça aurait dû être des camions de l'État qui montaient là, mais ils n'ont jamais pu monter parce que pour des questions de gabarit. Alors il y avait un arrangement, c'est la commune qui s'occupait. Mais comme la commune n'avait rien, puis qu'à un moment donné, ils ont arrêté d'utiliser le chasse-neige, et puis qu'il y a des entrepreneurs à Fuy, en tout cas à Fuy, nous on travaillait avec Fuy, qui avaient acheté des Unimog, ces véhicules plus petits avec des lames pour ouvrir. Seulement il y avait un inconvénient, comme les types ils étaient à Fuy, ben, ils faisaient les villages environnants, puis très souvent n'arrivaient pas à déblayer les routes pour le soir, et puis à l'époque il faisait plus froid, ça gelait. Puis sans compter que tout le monde, en tout cas les enfants, ont lugé à longueur de journée. D'ailleurs, on partait depuis le chemin de la Tour, si on monte le chemin de la Tour, jusqu'au virage, quand on est tout au haut, avant de revenir vers le donjon, là. Tout en haut, là, on partait avec la luge. On traversait là, on prenait le chemin de la Tour, on franchissait la porte de Fuy, à 3, 4, des fois 5, à plat ventre ou pas en luge, et on descendait tout droit le bout, on passait la porte de l'Étron, descendait les Bourgnons, les lacets de la poterie, et on s'arrêtait plus loin que la salle de Vessier. Et là, je suis bien placé pour le dire, parce qu'une fois, avec Hervé Raymond, mon âge, Charlie Thur, mon âge, depuis le sommet de la porte de Fuy, on a tiré droit. Et on a tapé dans la porte, la consomme, comme disait à l'époque, c'est-à-dire c'est l'atelier de Michel Lemaire, le peintre. On a tapé avec la luge, les trois, on était assis. Heureusement qu'on était assis, si on était descendu à plat ventre comme d'habitude, on a été directement dans le mur entre la porte et l'angle. Hein. Moi, j'étais le deuxième, j'ai arrêté comme ça le coup. J'ai eu pendant tout l'hiver les blessures ici qui ont suppuré. Puis on avait encore les engelures aux mains tellement à l'époque quand on avait froid. Mais tout le monde lugeait. On lugeait aussi du côté du Versé. Hein. Mais le Versé, ça ne durait pas longtemps. Ensoleillé, c'était un à deux jours au maximum. Premier jour, on pouvait luger sur toute la largeur de la route. Le deuxième jour, on lugeait 1,50 m contre le mur, parce qu'avec le soleil, il ne venait pas derrière le mur. Alors on descendait à plat ventre sur les 1,50 m contre le mur, et on rasait le mur en descendant. Hein. Puis bon, il y avait de temps en temps une voiture qui arrivait et tout. Mais ça, c'était des histoires de fous, ouais. Des histoires de fous, avec la neige. Alors, avec le grand nettoyage, c'est un peu la suite logique de ça. Parce qu'après... Si juste finir avec la neige, donc la neige, ben, on a commencé, j'ai dit qu'au début ils étendaient la terre, après quelques années ils ont commencé à mettre du gravier, et puis tout ça, avec les chutes de neige ou la fonte et tout, ben, ça partait par les égouts, et tout ce qui était gravier, terre, etc., partait par les égouts, et puis il y avait trois dépotoirs sous le village, un à la Saint-Valire, un en face à la poste, et puis un troisième d'ailleurs qui existe toujours, qui est au départ de la Poyalara. Et deux fois par année, les ouvriers de la commune devaient vider les dépotoirs, parce que... Mais c'était un mélange d'égouts, d'eau claire, etc., etc. Donc ça, c'est pour le nettoyage. Mais après, venait se greffer les fameux nettoyages qui étaient, on peut dire, c'est quand même lié aux gadoux, aux poubelles. Bon, premièrement, il n'y avait rien. Donc les poubelles, si on prend les poubelles, moi j'ai le souvenir, en étant gamin là, au quartier du C, tout ce qui était poubelles, je dirais, domestiques. Les gens, ils sortaient de la maison avec les bidons, ils en sortaient vers le C, ils basculaient sur le mur, et c'était tout dans les ormeaux des mocatés, côté là. Partout ailleurs où c'est qu'il y avait des ormeaux pour jeter, tout le monde foutait là-dedans. D'ailleurs, on était gamin, on allait s'amuser dedans, on trouvait... Tout là, ça c'est la partie des poubelles domestiques. Mais la commune organisait deux fois par année un grand nettoyage. Alors, au printemps pour Pâques et au mois de novembre pour la Sainte-Catherine. Et là, le village était lavé avec les outils des pompiers, les grandes conduites, lavé propre, net, nickel, tout parti par les égouts, village nickel. Ça, c'est la première des choses. Mais
la commune s'engageait à débarrasser. On faisait les journées de débarras. Ça veut dire, de toutes les maisons du village, les types, ils sortaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, ils entassaient devant la maison. Et puis la commune prenait un corvée communal, engageait deux camions du village. Les camions, il y en avait pour toute la journée. Ils faisaient trois ou quatre voyages, il y avait des lits en fer, des lits en bois, tout. Ils foutaient tout loin, et puis c'était liquidé. Le problème, c'est que quand on liquidait, on ne savait pas où aller mettre. Alors tout le monde mettait au bord du Rhône. Et puis nous, on a commencé à aller au bord du Rhône. Et puis après, on n'avait plus de place. Tout à coup, on n'a plus le droit d'être. On était. Le grand dépôt était derrière Optisol. C'est la digue du Rhône. D'ailleurs, on voit encore maintenant. Et puis là, ils ont. À un moment donné, on ne savait plus où aller en 1964, quand on était à la commune. On ne savait plus où faire. On a décidé d'ouvrir un endroit pour mettre les gadous. Parce qu'entre temps, il a été décidé de mettre en place. Évacuation des poubelles. Mais seulement, on ne savait pas où aller. Alors, la seule contrainte, c'était qu'il ne fallait pas que les poubelles ils entrent en contact avec la nappe phréatique, c'est tout. Alors, on a ouvert quelque chose avec le trax à Huberture, là-bas dedans. Et puis, un peu du jour au lendemain, on a commencé par mettre deux poubelles dans le village. La première poubelle contre la maison commune, puis la deuxième poubelle qui vient d'être changée maintenant, il faut croire qu'elles étaient au bon endroit. Derrière la porte du fuyager, en corbeille, des gens qui avaient des outils qui pouvaient convenir. Et alors, une semaine sur deux, c'était Francis Luizier avec une Jeep, Land Rover, puis une bétaillère. La semaine d'après, c'était Paul Briguet avec les tracteurs, puis une remorque. Parce qu'il fallait un équilibre, il fallait pas qu'il y ait que deux PDC. À l'époque, ce n'était pas PDC, c'était deux conservateurs ou deux radicaux qui fassent plus de corvée que l'autre. Donc, une semaine à tour, on a commencé à ramasser les poubelles. Alors, il y en avait au début, il y en avait énormément. Et on a tout mené là-bas. Et c'est comme ça que ça a démarré le service des poubelles à Saillon. Le Fakir, alors ça, c'était... le Fakir est quand même nettement plus âgé que moi. Donc, c'est Camille Rossier pour nous, les Saillonnais. Il faisait partie d'une famille qui a eu un des premiers tracteurs agricoles du Valais. Alors, ma sœur, qui est à peu près du même âge que Camille Rossier, disait qu'il a eu un tracteur, c'était un tracteur de marque Vevey, que son père avait acheté pour labourer les champs. Eh bien, la plaine n'était encore pas complètement assainie, il y avait du boulot. Mais ce tracteur, il avait un défaut d'une qualité, ça dépend si c'était pour Camille ou pas. Et il ne fonctionnait jamais la semaine quand il fallait travailler. Par contre, le samedi, le dimanche, pour mettre la remorque et partir avec les copains du village, on part au Grenat faire la fête, marchait toujours. Hein. Mais ça, c'est l'image qui me restait du Fakir avec Ben Camélia. Après, il a commencé à manger il est parti à Genève, il a commencé à manger des lames de rasoir, il a fait des exploits en tant que Fakir, puis il a pris le nom de Fakir Ali Ben Camélia. Mais alors, on n'entendait plus parler. Ce qu'on entendait, c'était que il avait réussi, puis qu'il faisait de l'argent et tout. Et puis, moi je pense qu'il avait 12, 13 ans. Ça devait donner, ça c'est exact, autour de 1955. Il revenait tous les X mois à Saillon, 2-3 mois. Alors je me rappelle toujours, il venait toujours des énormes voitures américaines, jamais la même. Hein. Je me rappelle Studebaker, les voitures à l'époque, la marque, c'était des voitures immenses. Puis il avait chaque fois... comme on disait à l'époque, une belle plante avec lui, une femme. Et puis, il venait un peu faire la foire avec, justement, de nouveau, Alfred Chezeau, Robert Chezeau, toute une équipe de célibataires qui tournait autour. Et puis, je pense qu'il est provoqué. Et le premier souvenir que j'ai, c'est, parce que c'était dans mon quartier, ça se passait dans mon quartier, Robert Chezeau avait Carnotte, qui existe d'ailleurs toujours maintenant, qui se trouve dans le passage Courbet actuellement. Et puis là, ils sont rentrés, ils étaient avec plusieurs Saillonnais, je me rappelle. Il y avait Armand Roduit, qui à l'époque était président de Saillon. Il y avait Robert Chezeau, Alfred Chezeau, et puis il y avait encore un autre, je ne m'en souviens plus. Et puis ils sont rentrés, alors avec Fakir Ali Ben Kaibelia, puis sa copine. Et puis, la télévision n'était pas arrivée à Saillon. Toutes les soirées, avec l'équipe de jeunes dans le quartier, on écoutait qu'est-ce qui se passait, et puis on rôdait toujours ensemble. Et puis on a entendu que
Ben, il faisait la fête, il chantait dans le caveau à Robert Chézeau. Et tout à coup, le ton me montait. Et nous, on était dans la ruelle pour un peu voir ce qui se passait. Mais en fait, la porte, elle était fermée. Lorsque on a entendu tout à coup un bruit, une écarpée, et on a vu quelqu'un qui est sorti du carnotier, mais alors à toute vitesse. Et moi, je me rappelle toujours, on était les deux avec... D'ailleurs, je ne sais plus si c'était... Je pense que c'était Marco Viamont qui était avec moi, qui avait le même âge que moi, là, qui habitait le quartier. Tout à coup, moi, j'ai entendu... Et j'ai regardé la baïonnette que le fakir, il introduisait dans son estomac, s'est plantée contre une remise, on appelait une remise à Eugène Reduit, qui était ben, exactement où c'est qu'il y a une place voiture, là, maintenant... un peu devant le créneau gourmand, là. La baïonnette. Oh. Et celui qui courait devant, il a juste pu faire le contour, et la baïonnette, ben la baïonnette, elle n'a pas fait le virage, elle a filé depuis, hein, directement planté là contre. Et je m'appelle toujours la baïonnette, elle a branlé un moment, je dis, oh, mais ici, il risque d'avoir... Après, il y a eu tout un tumulte, le fakir, il a gueulé, il a fait le fou, il a embarqué sa belle plante avec lui, et puis, tout... Après, on n'a plus entendu un ton, mais l'affaire de la baïonnette, là, ça m'est resté. Après, il y a une deuxième avec Alibel Camélia, eh bien, c'est... Comme chaque fois qu'il revenait avec une nouvelle voiture, des nouvelles femmes, et ici, c'est, la femme n'a joué aucun rôle, c'est qu'en plein après-midi, avec sa grosse voiture Studebeck, il s'est trouvé une année avec Gilbert Quatennens, qui habitait au-dessus de chez nous, à côté du créneau Gaume. Gilbert Quatennens, une petite voiture dauphine. Et puis il était quand même assez proche de l'âge, donc il se connaissait. Gilbert Quatennens est parti depuis ma maison vers le bourg, et quand ils sont arrivés vers la cour médiévale, Alibel Camélia était dans la grosse toute bête, dans le machin, et il s'est trouvé nez à nez avec Gilbert Quatennens et la dauphine. Alors, comme... non, ils en ont ni un ni l'autre à voulu reculer. Et ça, je me rappelle, ça j'ai vu. D'ailleurs, on peut encore trouver dans les archives des journaux l'épopée. Et tout à coup, Gilbert Quatennens est venu fou. Pas Gilbert Quatennens, pardon. Alibel Camélia est venu fou, il a sauté dans la grosse voiture. Il a mis la première et il a foncé sur Gilbert. Gilbert, il a dû partir en marche arrière avec sa dauphine, mais aussi vite qu'il pouvait, pour ne pas se faire vraiment... tapé dedans, hein, et quand il est arrivé dans notre maison, il a donné un coup de volant, il est venu marche arrière sur la place. Là, il a été sauvé, mais sous l'effet de l'accélération, Alibel, il a continué la voiture, puis il a dû essayer de faire le virage après la porte de Saxon. Puis là, il a perdu la maîtrise. Il est monté sur des billes de bois devant la maison des... À l'époque, c'était la maison des Bouillamo, la seule maison qu'il y a là. Et la voiture renversée dessus. Après, il y a eu la gendarmerie qui est intervenue et tout, mais ça a été une épopée incroyable. Et moi, à l'époque, j'étais là et j'ai vu, puis je connaissais bien Gilbert, puisqu'il était la même maison que moi. Et alors, c'est clair que chaque fois qu'Aliben se présentait au village, il y avait une spécialité. Hein. Ben, sur le périmètre entre où j'habitais, c'est-à-dire à côté du magasin, la boulangerie à Charles Gay, au départ, et puis le bourg, il y en avait trois. Il y avait où se trouve maintenant le créneau gourmand, qui est devenu par la suite le magasin Hermann. La coop était en face des vitrines, en face de Stella. La coop était issue de la société de consommation de Saillon, qui avait le magasin précisément dans l'atelier à Michel Lemaire, là. Ça c'était là. Et puis le magasin de la place, où c'est qu'il y a le local de la Bayardine actuelle. Donc il y avait trois magasins sur le machine. Et celle à côté de moi, pour moi, c'était assez. C'est là qu'est venue la première machine où en mettant un sou dedans, on pouvait tourner une poignée puis avoir un chewing-gum comme ça. Alors bien entendu, on n'avait pas toujours un sou pour aller tirer. Par contre, moi j'étais obsédé parce que j'avais la maison puis la chambre très près, donc j'entendais chaque fois que quelqu'un venait tirer au magasin à Hermann les bonbons. Hein.
Alors, je peux dire que je savais quel bruit elle faisait la machine. Hein. Le premier sapin de Noël, c'est intéressant parce que j'ai fait ça, j'ai quitté la commune le 31, à la fin de la période administrative, 31 décembre 1964. Et puis pour le dernier Noël, ça commençait à apparaître les décorations de Noël dans les villes, mais chez nous, il n'y a jamais rien eu dans les bleds environnants non plus. Et puis je me suis dit, tiens, ça devrait avoir vraiment une belle gueule, une décoration de Noël. Et puis celui qui tenait le café de la Poste, c'est Sylvain Roduit, père Benjamin, et qui était forestier communal. Puis j'étais le voir, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses, on devrait mettre au coin de la place un sapin, un beau sapin. Là, pour Noël, oh, ben, ça c'est une bonne idée. Puis lui, il n'avait pas besoin de demander l'autorisation. Voilà. Pris un grand sapin, hein, il faisait 6, 7, 8 mètres de hauteur. On a fait un trou au coin de la place pour le fixer. Descendu de la forêt, mis dans le coin. Mais après, ben, le sapin était là, il fallait lui mettre un éclairage. On a trouvé c'était des lampes de couleur avec une installation. Puis après, on ne savait pas où aller avec l'électricité. On a traversé la route, on a pris à la lampe publique communale. Et le sapin s'allumait automatiquement avec l'éclairage public, puis s'éteignait le matin et tout. Et là, on a vraiment su un flot de remerciements, de qu'on était géniaux, que c'était fantastique, etc. Et tout. Malheureusement, ben, je n'ai pas eu l'honneur de démonter le premier sapin de décoration, première décoration de fête de Saillon, puisque quand on l'a démonté après les fêtes, c'était plus moi, il y avait deux autres employés qui étaient venus, sauf erreur André Dorsa et Pierre Luisier, mais je ne suis pas sûr. Dans ma mémoire, les deux premières personnes, il y a eu des commerces de vin à Saillon dans la région des Moulins vers les années 1920 par Fritz Roduit. Mais là, ici, on parle bien des encadreurs. Alors, les deux figures que moi j'ai le souvenir, c'est Victor Moulin et puis à côté Marc Raymond, qui étaient, dans mon idée, ceux qui ont lancé le vin. Mais Marc Raymond, il habitait très loin de moi, hein, parce qu'il habitait près de la porte de l'Étron. C'était de l'autre côté du village. Par contre, Victor habitait dans ma maison. Et puis, sa maison natale, où habitait encore à l'époque son père Adrien, c'était la maison Stella actuelle, où c'est qu'il y a le musée Farinet. Et puis, dessous, où c'est qu'on entre au musée maintenant, il y avait un pressoir. Et il pressait son vin, là, bien entendu, à bras. Et seulement, il n'avait pas de câble là-bas. Il avait la câble chez nous, à côté d'un autre, dans la maison. Et je le vois toujours. Quand il avait fini, il mettait le vin dans la brante, il avait toujours un tablier en caoutchouc, des bottes, et il venait en ça avec la brante, il marchait, il traversait la route, là, il venait en bas, il descendait les escaliers chez nous, il venait verser le vin là. Et moi, tout gamin, moi je sentais l'odeur du vin qui se préparait, etc., etc., et puis bon, Victor, c'était un personnage extrêmement agréable. Moi, j'ai eu des bonnes relations avec, tu n'allais pas mettre le nez d'une manière, parce que c'est un domaine qui était nouveau, puis tu ne connaissais pas. Alors, je l'ai vu trafiquer le vin, là, tout. Puis après, j'ai vu commencer à venir les premiers clients, puisqu'ils employaient les mêmes escaliers que nous, et puis la cave. Hein. Et je m'en souviens, quand il faisait des dégustations, parce qu'il avait une élocution et un verbe, Victor, au-dessus de la moyenne de l'époque, s'exprimait d'une manière extraordinaire. Je me rappelle une fois, il y avait du monde à la cave, alors je ne sais pas à quelle dégustation ils en étaient, et tout à coup j'ai entendu Victor qui parlait, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, et il dit « L'ennui naquit un jour de l'uniformité ». Et j'ai dit « De quoi il parle ?» En fait, il parlait du vin, hein, mais dans son style, et puis moi, j'ai dit, mais alors, ici, il doit se passer quelque chose, ils font du vin. Puis après, bon, il a acquis sa réputation, on a vu sortir ses premières étiquettes et tout. Et puis, je continue l'anecdote, parce que ça vaut la peine. Puis lui, il a développé son commerce, là, jusqu'à ce que, je ne voulais pas dire, mais je pense vers 1965, je dirais grosso modo, si je reprends, moi, je dirais de 48 à 55. Puis après, bien entendu, ça a pris de l'ampleur, il ne pouvait plus travailler là. Et il a construit la cave sous le village, qui a été reprise par Antoine Roduit. Et puis, alors, comme j'avais toujours eu des bonnes relations avec Victor,
Un jour, quand j'étais à Sion, puis j'avais pris justement des responsabilités, ça je peux dire la date, c'était après 1983, puis je suis venu à Sion, j'habitais au locatif près de sa cave, et un jour il m'a vu passer, moi je montais régulièrement au village à pied, quand je suis revenu à Sion en fait, il m'a dit « Henri, j'ai quelque chose pour toi ». Et puis il a dit « Ah, tu viens me trouver au carnet de ça parce que je vais bientôt partir, j'ai vendu la cave ». Je suis allé le trouver. Ça m'a touché. Il avait préparé 3 bouteilles avec ses 3 premières étiquettes. Pour m'offrir ça, il a dit voilà, souvenir de ta maman, de toi que j'ai vécu là dans la même maison. J'ai mis de côté ces bouteilles avant de partir. Ça m'a immensément touché. Et puis, alors moi j'ai commis un impair incroyable parce qu'il m'a fait déguster une des 3. Ouvertes, on a partagé les 2, on a bu. Et puis moi, supprimé un jeu, parce que j'ai pas la culture du vin, mais là je suis excusable, jamais eu un mètre carré de vigne, rien du tout. Je lui ai dit, mais alors d'une manière tout à fait sincère, je lui ai dit, Victor, vraiment, ton vin est bon. Il m'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes, puis il m'a dit, tu sais Henri, tous les cons peuvent dire qu'un vin est bon. Je vais vous parler du plafond de l'école des filles. En 1963, toujours quand j'étais à la commune, un matin, je monte au bureau, donc les bureaux communaux étaient quasiment là, la répartition n'était pas la même, et puis au sommet il y avait l'école des filles, et puis bien entendu c'était pas mixte, dessous l'école des garçons. Puis quand je suis rentré, ben, très souvent je voyais Germaine Thur, la grand-maman de Gérard, qui était là, discutait toujours 2-3 mots, et un matin, j'arrive en haut, elle me dit « Écoute, il a dû se passer quelque chose cette nuit, j'ai entendu du bruit là, dans la maison de commune. » Aucun signe extérieur, personne n'a signalé, moi je monte, puis j'ai vu dans les corridors, et la poussière blanche. Après, j'étais au bureau communal, pris la clé de l'école des filles, donc c'était avant le début des classes. Rime en haut, je ouvre la porte de l'école des filles. Il y avait une couche de poussière blanche, de plâtre et tout. Et puis je n'ai pas tout de suite réalisé ce que c'était. Je me suis rendu compte, avant ils faisaient beaucoup des plafonds suspendus. Ils appelaient suspendus avec des lattes de bois. Et puis ils mettaient le plâtre. Le plafond sur quasiment toute la longueur. Il s'était décroché. Il était plat sur la totalité des bancs de la classe. Là, j'ai mis un moment pour réaliser. Bon, après, j'ai alarmé le président de la commune. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Après, ils ont trouvé une solution je crois que les gars, ils ont été à la cure hein, pendant quelques temps, parce qu'il a fallu tout nettoyer, tout vider. On en a arrêté, puis ils ont dû refaire complètement. Mais, ce qui m'avait choqué, je me dis, mais si ça s'était produit avec les gamins à l'école, avec la charge dessus, puis la tête sur la table, je pense qu'il y en avait une dizaine qui restaient sur le carreau. C'était des récréations. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les deux salles grandes, des grandes écoles, les deux grandes écoles qu'on appelait, grandes écoles, ça couvrait de 10 ans à 15 ans. Donc, 10 ans, 15 ans, les garçons et les filles, on était là à la maison de commune. Seulement, des places à récréation, il n'y en avait pas. Parce que les quelques places qu'il y avait, il y avait souvent des gens qui laissaient les mulets ou le cheval à côté. On ne pouvait pas aller sur les places. Alors, on sortait depuis l'école, mais sans conduite, sans rien. On courait en là aussi, où c'est qu'il y a les rochers maintenant, quand on arrive au sommet de la montée. Tous ces rochers qui donnent contre la colline. Et on passait la récréation à courir après, à secourir après, mais dans les rochers, à main nue, à une vitesse. D'ailleurs, c'est bizarre parce que toujours en discutant avec cette personne, j'ai été regarder les emplacements où on mettait les pieds et les mains quand on grimpait. Il y avait des arrondis tellement c'était usé. Hein. Et ça existe toujours d'ailleurs, ça ne peut pas se repousser. Hein. Mais c'était le fil du rasoir à chaque récréation. Et le maître, il était assis au bord du mur, là. Des fois, il fumait la pipe, des fois, il regardait le journal. Parce que
C'était normal. Au point de vue risque, c'était normal. Et puis, alors, les filles, ou bien ceux qui avaient un peu peur des rochers, ben, ils faisaient des avions en papier et jetaient les avions en papier du côté de la plaine. S'il n'y avait pas trop de vent, on avait des avions qui allaient jusqu'en bas vers le garage à Stéphane Berthollet, en dessous, là, depuis là. Puis après, on va les chercher. Alors, c'était le lieu de tous les dangers, les marécages, quand ça gelait l'hiver. Mais on allait tous mettre le nez, essayer de marcher sur la glace. Certains qui avaient plus d'argent, ils avaient des patins à vis qu'on serrait de chaque côté du soulier pour patiner. Il y avait un inconvénient, c'est que ça arrachait les semelles. Et puis comme on avait des habits, des souliers à 4 sous, eh bien, ça, quand tu rentrais à la maison, c'était chaque fois un drame quand tu avais la semelle arrachée. Moi, je me rappelle, premier qui a eu un soulier à semelle Vibram. C'était le top du top. Hein. Je pense que c'était vraiment le haut. Michel Perraudet qui est arrivé avec une paire de souliers avec des semelles Vibram. Nous, on en était au socle. Hein, au socle. Et les socles, pour qu'elles ne fassent pas trop de bruit, on allait au bord du Rhône, parce que 10 ans ici en face, restait la drague de l'entreprise Reduit de Fuy qui creusait le lit du Rhône. Et puis là, il y avait des tapis roulants pour amener le gravier depuis la drague qui était au milieu du Rhône, sur le bord. Et puis de temps en temps, les tapis étaient usés. Alors ils démontaient les tapis, puis les tapis restaient là. Et nous, on avait les couteaux. On découpait la forme de la semelle de la socle, comme ça. Et puis, on mettait dessous pour que les socles fassent moins de bruit, puis qu'on ait moins froid suivant ce qu'on fait. Et puis, on clouait un morceau de tapis roulant dessous la socle. Hein. L'eau dans le village. Donc, lors de l'arrivée de la Gure, jusque vers 1895, l'eau qui arrivait de la Gure arrivait dans sel bassin réparti dans le village. Mais il n'y avait pas d'eau potable. Dans les maisons. Hein. À Saillon, on a commencé à entrer l'eau potable dans les maisons, il semble, hein, d'après ce qu'on avait, dans une fourchette entre 1900 et 1905, à la suite de l'épidémie de typhoïde qui a frappé Saillon. D'ailleurs, ce n'est pas le seul village. Mais à Saillon, l'épidémie de typhoïde s'était déclenchée, selon le médecin cantonal, la manière suivante. Il y avait les bassins, donc. Et puis, il y a eu un problème avec l'eau de pluie. Parce que quand ils ont construit l'église, donc c'est avant l'agrandissement en 1925, ils ont construit l'église, ils ont conduit l'eau du toit directement dans le terrain autour de l'église. Donc ça descendait, je ne sais pas si c'est en chute libre ou dans une chenot, mais l'eau pénétrait dans le cimetière. Et ils se sont aperçus que l'eau qui traversait ce qu'on appelle nous l'ancien cimetière, où c'est qu'il y a le jardin médiéval maintenant, traversait en bas, traversait les endroits où les corps étaient en putréfaction, et l'eau ressointait sur la rue Saint-Sulpice pour descendre dans le village le long de là. Et puis, c'est ce qui a provoqué la typhoïde. Alors, ça devenait urgent. Alors après, il y avait encore un autre problème, c'est qu'une partie de la conduite principale qui allait des Chavannes au Bournon pour les bassins était en ciment, puis c'était poreux, il y avait aussi des pertes là, donc des mélanges qui n'étaient pas possibles. Sans compter que les bassins servaient autant aux gens pour aller chercher l'eau domestique qu'au bétail, que tout le monde venait manger. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer avec les conduites dans les maisons à Saillon. Alors, dans les recherches que j'ai faites, j'ai situé aux environs de 1950, qui est un bon point de repère pour moi, puisque j'avais presque 10 ans. J'avais vu une fois dans une statistique communale qu'il y avait peut-être entre 6 et 10 salles WC à eau. Pas salle de bain, parce que c'était pas toujours salle de bain, hein, c'était les WC à eau. Ça a commencé par les WC à eau, puis ceux qui avaient de l'argent, ils ont fait simultanément une salle de bain, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc des fois, les gens faisaient... résolver la question comment est-ce qu'on appelle, des WC. Et puis après, ben, s'ils avaient de l'argent, ils venaient une salle de bain. Alors bon, forcément, il y avait tous ces WC en chute libre, dans le bourg.
C'était d'ailleurs commun un peu partout. Puis CVC, bien, alors je parlerai déjà de la répartition. Il y avait des fois un WC pour deux appartements à usage commun, mais il fallait trouver un terrain d'entente pour savoir s'il y avait quelqu'un au WC pour aller là, à cet endroit. Ça, c'est des WC en chute libre, donc il n'y avait pas encore l'eau. Et puis, les excréments représentaient une fortune pour le jardin domestique. Donc, c'était défini qui, à tour, vidait les WC chaque année. Et ce qui était vidé des WC était chargé. Moi, je m'en souviens pour avoir fait ça avec ma maman. Hein, j'avais peut-être 10-12 ans parce que nous, on a eu un petit peu plus tard les WC à l'eau. Alors, il y a une dalle contre le mur. D'ailleurs, on peut retrouver dans le bout de Saillon, à plusieurs endroits, les dalles contre le mur, où on récupérait les excréments de la chute libre. Et puis, on sortait ça avec une brouette. On allait mener sur un char tiré par un mulet. Et ensuite, on amenait tout ça sur le jardin, dans la plaine, et puis on étendait. Je vais vous raconter l'image que j'ai de la boucherie dans le village. C'était une activité saisonnière. Et puis, il y avait dans chaque village un ou deux bouchers qui effectuaient ce travail pour les tiers. On tuait le cochon l'automne. Et mon souvenir, c'est que c'est Frédéric Fellet, qui habitait dans mon quartier, que j'ai vu une fois tuer un cochon d'un coup de masse. Il lui a donné le cochon resté raide. Je peux dire, en anticipant un peu, que j'ai vu d'autres fois où c'était moins convaincant et que le coup n'était pas aussi propre. Mais toujours est-il que le cochon est tombé. Et après, j'ai le souvenir d'avoir vu les dames autour, puisque le cochon était tué dans son quartier, hein, on ne l'expatriait pas. Il y avait une cuve en bois au sol, et le cochon tué était basculé dans cette cuve. Toutes les dames sortaient de la maison avec des baquets, des bidons d'eau bouillante, qui mettaient à l'intérieur. Je me souviens aussi d'avoir vu, ils avaient des sortes de cartons, rempli de poids, la poids. Donc la poids. Pour moi à l'époque c'était de la poids naturelle, hein, qui ramassait sur les arbres. Et mélangé, ça se mélangeait à l'eau chaude. Et ensuite, un ouvrier de chaque côté avec une grosse chaîne en fer, allait un de chaque côté de la cuve, et puis il tirait hop, 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 la chaîne pour, on pourrait dire, dépoiler le cochon. En fait, avec la chaleur, la poids et puis le mouvement, ben, ils nettoyaient le cochon. Historiquement, Saillon a eu quelques problèmes avec les alpages, donc ils n'ont pas eu la montagne basse, celle de Saint-Lio, qu'on connaît, elle a été ouverte seulement en 1920. Hein. Et c'est qui le premier alpage en vallée où l'exploitation s'est arrêtée à cause des cultures maraîchères, vers 1950-55, je ne sais pas exactement. Et puis la montagne haute, bien, on sait bien comment ça s'est passé au moment de la séparation entre les troncs et Saillon. Saillon s'est retrouvé sans montagne haute. Et c'est à la suite de l'intervention de l'État pour que Saillon ne soit pas en difficulté avec son bétail, ben, qu'il ne sache pas où le mettre, que les troncs et puis Fuy se sont mis ensemble pour donner à Saillon une montagne haute qui est lui d'août actuelle, et qui tient sur la carte topographique une pure enclave de Saillon. Pour aller à la montagne haute de Saillon, on doit quitter le territoire communal au sommet de Saillon, passer par les trails pour arriver dans cette enclave. C'est pour ça que certains, quand ils ont passé au moteur, ils ont eu quelques difficultés, parce qu'ils croyaient toujours que le moteur agissait comme les mulets. Hein. Et je me rappelle Joseph Fumeau, qui habite à côté de chez moi, quand il a reçu son premier Bungartz, là, et c'était des outils fantastiques, un monoaxe là, nous on était ben, justement avec Charlie Thur dans le quartier de tournant autour. Et Joseph Fumeau a dit, écoutez, il faut s'éloigner parce qu'il allait tirer la courroie pour mettre en marche. Il a dit, faut faire attention, ces engins, on ne sait jamais de quel côté ça part. Hein. Alors c'est vrai que les personnages marquants dans le village, étant donné que la vie, la communauté était beaucoup plus proche, il y avait des gens qui te marquaient beaucoup plus. Et puis, dans le quartier où j'étais, alors, là, on a été servi. Il n'y avait que des personnages extraordinaires. Mais pour les énumérer, je suis obligé de suivre à partir de ma maison, et puis j'avance dans les maisons tout le long. Alors, si je pars à gauche, Charles Gay. Charles Gay, c'était un Hercule.
il s'exprimait pas beaucoup, et puis il avait une démarche saccadée, c'était impressionnant. Il était boulanger, tous ses sacs à farine étaient au-dessus de la maison qui est de l'autre côté de la route, à l'étage. Et je me rappelle toujours, alors il était à moitié enfariné, il transportait les sacs de farine, et ça, il portait un sac de chaque côté, puis c'était des sacs 50 kilos à l'époque. Hein. Et puis une fois, il m'a fait une démonstration, parce que lui, là, il n'avait jamais eu d'enfant, mais il m'aimait bien, parce que moi j'étais à côté, puis j'ai essayé de regarder. Il m'a fait une démonstration avec le vieux fusil mousqueton de l'armée, il a planté les deux doigts sur le guidon, et il a fait comme ça, il a tenu le fusil à l'horizontale, pour dire la force qu'il avait dans les mains, parce qu'il pétrissait. C'est après qu'est arrivée la machine à pétrir la pâte, hein. Mais autrement, la grande partie de sa vie, il a pétri. Alors, il avait une force herculéenne. Hein. Alors, lui, c'était le premier personnage à ma gauche. Bon, au même endroit, venu par la suite Hermann, qui lui était aussi une figure typique. Lui, l'image que j'ai, c'est la cave où c'est que Golu fabrique les glaces maintenant. Ça, c'était la cave à fromage. On avait toujours un tablier bleu avec comment on appelle, cette sonde à fromage, hein. Puis je le voyais, alors moi je venais guigner à la porte, je le voyais planté dans les fromages, déguster, remettre le bouchon, puis il sortait, etc. Alors bon, lui toujours aussi pour un service avec sa femme aux environs, là, c'est des gens. Puis là, ben, il y avait aussi le téléphone public. Il n'avait pas le titre de téléphone public, mais il fonctionnait comme un téléphone public. Alors lui, il allait répondre au téléphone, puis il allait chercher les gens dans tout le périmètre pour venir répondre au téléphone, puis avec quelqu'un de la famille appelait. Ça, c'était le centre. Après, c'est devenu le premier salon lavage de Saillon. On peut dire que c'était un centre de fonctionnement du coin, et puis vraiment, où les gens discutaient aussi. Après, bon, je vais là vers, OC, la première maison du C. Là, il y avait des bouillamons. Là, j'en ai connu pas mal, mais les plus qui m'ont frappé, c'est à l'étage du milieu. Il y avait Margot Perraudet qui avait marié Dubosson. Dubosson, c'était un Hercule hors norme. Et moi, je l'ai vu, il chargeait les pentes à vendange à l'époque dans la vigne. Il prenait les deux mains comme ça contre moi. Tac! Il levait pour mettre à l'épaule parce qu'il fallait toujours quelqu'un. Alors, en général, c'était à deux. Hein. On chargeait une brante, on levait la brante à deux, à chaque côté. Et puis l'autre, le porteur, il venait, il enfilait les bottelles. Du boisson, il prenait la main, il levait seul. Hein. Ça, c'est une des figures que j'ai là. Après, là, quand je monte, après, tu as Frédéric Flet, justement, le fameux boucher. Hein. Lui, des fois, il se reposait sur la planche à poule à l'entrée de la maison, là, au-dedans. Et puis à côté, tu avais Becca, donc Robert Chezeau, figure aussi particulière de Saillon, puis son père, Rapatala, qui s'appelle Chezeau, je ne sais même pas son prénom, les figures. À côté, tu avais Dubuluy qui habitait aussi. Que des gens spéciaux. Après, en haut derrière, tu avais Defago qui a eu la première moto Java de Saillon, et qui était aussi une figure complètement incroyable. Marcel Produit, Bernard Arthur, là, en haut derrière, là, tu avais un peu la dynastie des dragueurs. Dragueurs dans le sens ceux qui défonçaient la pelle mécanique, la première pelle mécanique. Il y avait Victor Tur, Camille Tur, enfin toute l'équipe là. Un petit peu plus haut, tu avais Delphin Joris, ceux qui ont connu Delphin, une figure hors norme de Saillon, ils étaient tous concentrés. Marcel Joris à côté, Martin Joris, tous des figures, mais c'était tous des. Maintenant on dirait que c'est des spéciaux, mais à l'époque ils faisaient partie du folklore normal. Après on redescendait. Ben, il y avait Frédéric Tur qui a fini malheureusement sa vie avec en portant des panneaux de contestation parce qu'il avait des problèmes d'eau avec son bâtiment et tout. Mais lui, c'était aussi un des brillants dragueurs de la région au point de vue mécanique et puis un génie mécanique. D'ailleurs, on n'a pas les documents directement, mais on sait qu'il a fabriqué une des premières chaufferettes contre le gel de Saillon. Pascal Tur, dans un livre, attribue à Frédéric la fabrication de la première chauvrette. Et puis après, après tu avais les moulins, justement, Adrien Moulin, le père à Victor, toute la lignée là. Tout de suite à droite de chez moi, il y avait Nivelle, on appelait Nivelle. Je ne sais même plus, moi j'ai toujours cru que c'était un Crétin, c'est la lignée des Crétins, mais c'est un moulin, son vrai nom.
qui lui était propriétaire des vignes qui sont en bas au passage des escaliers en fer quand on monte à la tour. Là, tout. Et, alors il y avait toutes ces figures-là, mais je pense que j'en oublie encore, mais il y avait une concentration jusqu'à leur bout, ben, justement on arrivait au bourg, du côté gauche il n'y avait plus personne. Et à droite, ben, il y avait la maman de Pascal, Germaine, Thur, et puis Octave, le beau-frère, à l'époque. Et au sujet d'Octave, j'ai une anecdote extraordinaire, parce que quand j'ai été nommé à la commune, le premier jour que j'étais allé au bureau, bien entendu qu'il savait déjà, parce qu'il ne parlait pas, il était sourd-muet, mais il voyait tout, hein, il voyait tout. Et il m'appelle toujours, parce qu'on est quand même un peu cousins, hein, oui, un peu. Avec lui, un peu beaucoup, hein. C'est avec Gérard qu'on a un peu. Et puis, il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Mais, et ça, c'est une image, d'ailleurs, je crois avoir raconté ça à Gérard le jour où c'est quand on avait vu la photo, il a dit, le type a fait comme ça. Donc, pour lui, c'était une fierté que quelqu'un de la famille était à la commune. D'ailleurs, si on imagine le centre du bourg, c'est important, juste avant d'arriver à la télévision, les gens plus âgés, moi je dis plus âgés, ça peut faire ceux qui avaient plus que 25 ans, hein. Ils étaient assis devant le local de la Bayarde, devant le magasin de la place. Et puis eux se racontaient leur propre histoire. Nous les jeunes, tous assis à dossier contre la maison de commune, mais en face de grand-maman Germaine, là, tu vois, côté là. Et puis on était tous assis là le soir. Et puis à tour, il y en avait un qui levait. Puis il se levait, puis il se mettait devant les autres, puis il racontait des histoires, des combines à rigoler et tout. Et tout. Alors, socialement, c'était. Puis après, bon, après l'arrivée à la télévision, c'était la fin des haricots. Et puis il y a son fils, Jean-Jean, qui est resté célibataire, vieux garçon. Alors, premièrement, il a sorti le Vespa, puis il faisait que des exploits spéciaux, mais surtout, il a eu un cheval. À mon avis, il était dragon militaire. Et puis, on avait le terrain de football à Tobruk. On jouait au football là-bas. Puis Jean-Jean est venu se promener avec le cheval long du canal. Puis à un moment donné, il a voulu en foutre plein la vue aux gens. Il a voulu faire sauter le cheval, le canal de Tobruk, le canal des Polonais qu'on appelait. Et puis le cheval a planté les deux pieds devant. Et lui, il a fait un looping par-dessus le canal, il est tombé de l'autre côté. Bon, il était à moitié groggy, quoi. Mais quand il est arrivé, il n'a pas eu le temps de toucher par terre, qu'il avait déjà les guides à la main. Et il est parti en courant dans le rideau d'abri, Jean-Jean. Et lui, il était souvent. D'ailleurs, la photo qu'il y a sur le patrimoine où il a la tête de la luge qui descend des combes, c'est lui le premier devant, hein, plein ventre, là. Malheureusement, après un accident de voiture, il a décidé. À un moment donné, on avait commencé à entendre parler que arrivé à un objet qui était plus qu'une radio, hein, qui s'appelait la télévision, et puis où on pouvait voir des gens. Bon, entendu ça une ou deux fois, puis on dit ça, jamais ça arrivera chez nous. Et moi, quand je venais, ça c'est autour des. Moi je pense 60-65, j'ai pas de date précise. Et moi, j'allais régulièrement le soir, avant d'aller en haut au bout, où c'est qu'il y avait le rassemblement que je t'ai dit, moi, je venais sur les escaliers à Charles. Puis là, on était toujours un ou deux, Otmar, Gay, compagnie, des fois, du quartier un peu plus pointu, qu'on s'asseyait là avant d'aller en haut. Et j'étais assis là, tout à coup, je vois Marco Riamo, même âge que moi, qui habitait dehors de la porte du ciel, justement, chez les Riamo, qui courait comme un dératé. Comme à dérater. Il avait les brosses. Il y a la télé, il y a la télé, il y a la télé. Il foutait des gueules. Puis moi j'ai dit, hey. Alors il allait chercher son père, Roger. Lui il avait pu guigner, mais seulement il ne pouvait pas rester au bistrot puisqu'il n'avait pas 18 ans. Il allait chercher le père Roger pour aller voir. Et puis, moi je lui dis, mais c'est quoi? C'est comment? Il a dit, il y a un type sur l'écran. Il est je ne sais pas où, à Genève, et tu le vois, il parle. Hein? Tu vois, moi, c'était vraiment allumé au possible. J'ai dit, non, c'est pas possible de pas essayer d'aller guigner pour voir ce que c'est.
Le soir-là, j'ai pu passer sans qu'il y ait l'agent de police, j'ai aussi pu aller dire, et je me rappelle toujours, il y avait sur l'écran une émission d'Émile Garda et Charles de Néréa, et c'était un peu une imitation du logo d'entrée de la métro Goldwyn-Mayer à Lyon qui rugissait. Mais à la place du Lyon, il y avait un des deux, je ne sais plus si c'est Garda ou Néréa, c'était une émission de comment est-ce qu'on appelle, un peu humoristique.